Merci. Voilà, on appelle, on interpelle les élus départementaux pour qu'ils refusent les restrictions budgétaires que nous impose le gouvernement. Contre les restrictions, ses représentants syndicaux, CGT et UNSA ont sensibilisé ce matin les élus du département qui se rendaient à une réunion préparatoire aux orientations budgétaires. Les syndicats entendent faire pression pour éviter les coupes drastiques dans le prochain budget. Nous leur proposons de voter un budget en déséquilibre, honnête, sincère, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire, pour demander et en appeler à l'État de venir renflouer les caisses des collectivités territoriales. Parce que moins d'argent, ça veut dire moins d'agents, ça veut dire moins de services publics. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Les syndicats demandent que le département se concentre sur ses missions principales, le social, les routes et les collèges. Des revendications bien accueillies par les élus de l'opposition, moins par ceux de la majorité départementale. On va faire le maximum pour continuer à maintenir la compétence au niveau de l'agriculture, au niveau de la culture, parce que c'est aussi de l'emploi. Parce que moi j'entends qu'ils parlent de leur emploi, mais il y a aussi d'autres emplois qui sont concernés. Voilà, et puis ça serait terrible de se retirer de toutes ces compétences. Je pense que socialement, ça aura des conséquences dramatiques dans les mois à venir. Si on ferme les centres sociaux, si on ferme tout ce qui ne nous semble pas obligatoire aujourd'hui, mais c'est une prévention qui est indispensable parce que pour moi, demain, ça sera une bombe sociale. Les orientations budgétaires du département seront présentées en début d'année.